Oui, je disais, frère Patrice, c'est un plaisir pour Retro Diaspora Congolaise. L'émission est à diffuser sur antenne. Hâte de recevoir yo. Na cadre ya tourner na yo na poto. Na moni ba te belé ba yeba yambio et message ni omemeli bango et pourquoi succès aboyé auprès ya ba congolais à diaspora. Nkola komisama na kanisi eze sengo pona ngai ko ya ko kutana na libota na ngai. Bande kuna biso ya diaspora. Ce qui va y être, parce que va y être appel aux Zambapes, nous avons un frère Patrice, et puis Dédé, parce que va linga kaye, et puis na ye, na tina na ko réveiller Bangoli Susu, oh, Nicolomi, Bazolo, ba frère Patrice, aya kazonga, kaya kazonga, ka, aller en recouter na na batute, frère Patrice, solo kami na batute, pourquoi ça la gandingo na lo cette fois ici, na kansai que vraiment, na pesa bango mbote. Et puis tout sur l'impé, vie na bango, ah, on a pas tourné, mais ça qu'on mène yango. Qu'est-ce que devoir y a par parents, ils allent nini, et vis-à-vis y a bana, pe église, ils ont salan nini, église, natina na batu, natina na jeunesse, natina na mabota, nous c'est na katina mboka, oh, yo rôle na bango, ils allent nini, pe église, pe, oui, na loba ki église, et puis jeunesse y est moko, est-ce qu'azo y a côté y a zago kende ou pas? Donc, pour jeunesse na biso, surtout les bah, jeunes africains et plus bah, ou même il y a Congo et pour que les gens aient bien été et tant que banana Zambé voilà la c'est pela qui n'est au Solana bango onion solandi a mais frère Patrice qui s'intéresse à jeunesse à Poto et à Malamu mais en Congo jeunesse congolaise ça peine un problème et belé pourquoi pas faire Moussala on en a Congo au n'engue maman moi tout n'a qui a banana ou tarapé kuna au banina na Poto bat Moussala on en a moi lucité. Non, parfois besoin en retard. Moi, maman, on a outil kala na pot, a outil kala depuis 85. Parfois, ce cas, zongi na kisha sande ya koye, parce que ça na musala zo salama déjà kuna. Question na yeza bien, mais azan en retard parce que c'est au bandaki déjà. Même na télé, bande kubaza ko landa ba yebi. Ba réunion ni tozo sa sapona ba jeune pour redresser jeunesse parce que azali ko kende mpe musika mwa mingi. Voilà, gloire à Dieu. Parce que déjà, il faut te préciser aux grands frères Yahweh Rasson, qui est artiste et reconnu, et pas dans le domaine encadrant à la jeune. Est-ce qu'ils ont un créneau à famille ou bien ils ont un pourquoi pas, par exemple, à prom, ils ont un ils ont prom à jeunesse? Oui, gloire à Dieu. C'est vrai, nous avons un raisonnement pour nous décourager, nous avons un raisonnement, mais nous avons un raisonnement, Noël, Ouera. Et ça, souci, c'est que tu encadres toujours, tu encadres les jeunes, tu te dis les jeunes, tu sungaka. Donc, ça, nous allons nous faire un petit peu, mais je crois que nous allons nous faire un peu pour les canisiers. Il y a des gens qui nous ont aidés, qui nous ont aidés, qui nous ont aidés, qui je crois, mais ce qui est, nous allons avancer dans le parents qui nous ont et que les jeunes vont la redresser. Voilà, gloire à Dieu. Frère Patrice, question peut-être un peu dérangeante. Aux gens qui sont mais ils ne sont pas les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont mais jusque-là, ils sont les gens qui sont les pasteurs du Congo. Ils sont les gens qui sont pour plaider pour les gens qui sont de sorte que peut-être ils sont les gens qui sont frère Patrice Zani. Bon, c'est vrai, na éviter, il faut tout le sincèrement que. Et ça, nous avons tout à l'heure, c'est planète frère Rosa Yoko Taboloko. Et ça, pour nous, nous avons tout à l'heure, nous avons tout à l'heure, nous avons tout à l'heure, nous avons liberté. À l'heure, nous avons tout 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 à justice. Et ça, nous avons des marches, nous avons des salements, des avocats, des bananes, pour l'Anda, mais nous avons tout à l'heure, un jour, ce qui est justice est tranché, je crois qu'on a besoin de la Libanda et de la Malam. Voilà, gloire à Dieu. Avant dernière question, Boza va sa inanza mené tout au baboté y aura partout. Ce qui boye l'église, au moins on a battu y aura moins ébélé. Mais en même temps, on constate, je crois, boye mba on a nzé monayo, mais Moussala ou bino boté y aura. On ne voit pas les fruits. Nakati à l'église, ma bokabwaniza ébélé, nakati à l'église, ma kambouya gozo basi à batweza ébélé, nakati à l'église, boyo kaniza ete puna mosolo. Pourquoi corrélation négative wana entre parole en zambe et puis augmentation à bandimi, namisala et zomo anate, ma bé et tondi na mokini? Surtout na Congo, et puis nakati à l'église congolaise. Oui, nakanisi réponse, on peut se demander où ça la bémission na yo bien. Mon soupe à cause de l'envié, nous avons l'émission de la salle, il y a parallèle à quelqu'un d'antenne à Père Bandi Gossal.
na kan se pone question concerne au pesayo ko ba ko sala musala no bien ko sala décourager te pona o yazo sala mabe soit pona mutumo ka yepo a se comparer na yo deve musala nzambe zali bible lobi ezana Yesu alobaki ke un jour mon consumant ko alona ki ndunda na ye ya kitoko tango aloni ndunda na ye ya bien na butu muyini yake ake ko lona pe ndunda ya mabe yango mi balé e ko bima ba sali ba kei ba ke ko mona ke ezana ndunda moko ya mabe ba kene ko lona na butu o bango ba lona kite ba sengi nzela ke ba kene ko longola ndunda wana o ya mabe me mokolo bilanga na bango abino botika yango mi balé e bima ndenge zo bima yora e moma e ko longwa donc kat kat n'église yeba ke même Yesu ye moko aloba ke ezana ba sali ya solo eza pe na ba sali lokuta bazali mais ba oya lokuta nzamba ibi ndenga kosili sabango bisote kwanza le kamwa nzamba ye moyo bisote ote akali lobana nzamba ba musupe bazo zala décourager pe ba kimi ba kei voilà gloire à Dieu. Alors dernière question, question on a vraiment batunio surtout ya diaspora bazo zela yango na Congo na yebite peut-être bango bazo déjà réponse na bango mais na poto awa beaucoup de choses se sont racontées sur frère Patrice. Il semble que frère Patrice a eu un message de Dieu. Il fallait que ndakoti ka ona bakondi ya mboka. OK, otiki message wana après bakangio. Lelo me kana ko expliquer est-ce que zalaki a solo et le ka ki ndenga nini? Message yango zalaki message nini? Gloire à Dieu. Merci parce que bande kono so bozana souci ande kona bino Patrice ngoy musoko. Zambe ya pa mulabino. Mais na kanisi na Bible et ezana ba verset mingi na kopesa oyo nzambe azotinda basali na ye ça je reconnais atindi musali na ye kene kotika message tel na mutu tel ezali mutu pe musali na ye pe prophète fois tout ça ake atiki message donc soka boya kozana problème na nzambe frère Patrice pe ce qui nzamba pesi message kene kotika la ndeko tel mais akotika ngwa ko boya pona nini mais ce qui nzamba pesi message ta kene otika nini voilà gloire à Dieu. Donc en conclusion aux hommes message te okena otika message place mokote na kanse za clair le kamna lobby que ce qui nzamba pesi message ta kene otika nini donc ce qui nzamba pesi message na kene kotika mais ce qui nzamba pesi message te na kene kotika nini donc boza na kimia nzamba pambola bino problème ou réalité bon mon frère Patrice. Merci frère Patrice. Merci beaucoup. Voilà, pasteur Willy, vous êtes l'organisateur de cette soirée de rencontre entre la population de Bruxelles et le frère Patrice. Pourquoi frère Patrice et qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif pour cette soirée de rencontre? Oui, merci beaucoup papa, je bénis le Seigneur. Pourquoi frère Patrice? Parce que déjà premièrement nous avons un modèle, hein, un exemple à suivre aussi côté l'œuvre de Dieu quand on voit aussi nos aînés. Et aussi dans le ministère que je suis en train d'œuvrer, c'est mon âme l'éternel. Et sachant que son arrivée ici en Europe, et je m'étais dit vraiment que ça serait mieux de proposer à Papa Patrice ce moment ensemble de passer cette conférence, parce que souvent nous recevons des coups de fil que Frère Patrice n'est pas accessible. Frère Patrice, il est trop éloigné avec la population, mais contrairement, peut-être c'est faux. Alors c'était pour vraiment permettre les gens d'être face à lui, communiquer avec lui et dans toute la liberté. Et le but de ce travail, c'est que au moment qu'il y ait une continuité, il n'y a pas que Patrice Mbouye-Moussoko. Nous avons beaucoup de hommes de Dieu qui viennent ici en Europe, en Belgique, des chantres comme des pasteurs, des apôtres. Mais pourquoi pas aussi, eux aussi, ils peuvent aussi nous apporter beaucoup. On peut faire ce genre de conférences pour les hommes de Dieu. Mais si nous avons commencé avec Papa Patrice, c'est parce que cette inspiration est arrivée au moment où lui venait en Europe. Quoi. Voilà. Voilà, vous êtes le responsable de l'église qui reçoit le frère Patrice. Quel effet ça vous fait de le voir ici en personne et puis devant beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde? Ouais, je bénis d'abord Dieu et c'est vraiment une grande grâce. Ça, pas seulement pour l'église, mais pour le corps du Christ. Et c'est une petite vision qui vient de naître. Alors, sa venue dans cette église, je crois qu'il y aura beaucoup d'enfants qui vont naître à travers sa venue dans ce lieu. Et vous avez l'habitude de recevoir d'autres hommes de Dieu ou bien, pasteur, disons, frère Patrice, c'est l'inauguration?
Oui, la porte, comme je l'ai dit tantôt, elle est grandement ouverte. Et nous avons une vision du corps du Christ. Et nous attendons à bras ouverts tous les hommes de Dieu qui ont envie, qui désirent organiser ensemble avec le corps du Christ. On est à Bruxelles, en pleine ville de Belgique, et sur la rue de magasin numéro 12 à 1000 Bruxelles. Et vous pouvez aussi consulter nos sites. On est en action dans nos sites. Et bientôt là, on sera en direct. Je crois jusqu'au mois prochain, on sera en direct dans nos sites Culte en direct. Dans www.église-de-la-consolation-des-familles. Collé, D avec S, famille avec S à la fin. Vraiment, que Dieu vous bénisse encore. Je vous remercie, pasteur. Ouais, merci.